Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, nous vous avons concocté une petite vidéo sur l'utilisation et le choix de son fusil à pompe. Premièrement, nous nous pencherons sur les différentes familles de fusils à pompe. Ensuite, sur les perks à privilégier. Puis sur les doctrines qui permettent une utilisation optimale du fusil à pompe. Et enfin, sur les techniques de jeu à adopter. Allez, on y va! Tout d'abord, commençons par le commencement. Quels sont les différents types de fusils à pompe? Alors, on peut en distinguer trois familles. D'un côté, nous avons les fusils à pompe utilisés par la majorité des joueurs, qui possèdent un gros impact et une grande portée, ce qui permet de one-shotter quasiment à chaque fois si on est à bonne distance. Dans cette famille, on peut par exemple identifier l'hôte inopportun ou encore le théorie du complot. D'un autre côté, nous avons les fusils à pompe à forte cadence, mais à impact beaucoup moins élevé et à portée plus réduite. On peut par exemple citer le chargeur d'épreuve de la Nouvelle Monarchie ou encore le patch A de l'Astre Mort. Pour finir, il y a une famille un peu spéciale que sont les fusils à pompe exotiques, dont je parlerai plus en détail dans un prochain épisode. Dans cette vidéo, nous nous focaliserons sur les fusils à pompe gros impact et forte portée, ceux donc de première famille. Ils sont clairement les fusils à pompe à utiliser dans la méta actuelle. Nous voilà maintenant équipés d'un fusil à pompe gros impact et grosse portée, nous allons tout de suite voir ce qu'il faut mettre dessus. Enfin, ce qu'il faut essayer d'avoir, parce que c'est assez compliqué. Alors, dans la première colonne, il est important d'avoir soit compensateur linéaire, balistique fine, ou balistique agressive. Vous pouvez choisir l'un des trois, cela revient pratiquement au même. Dans la deuxième colonne, il est important d'avoir soit télémètre, soit discussion rapprochée, ou soit chargeur de secours, avec une petite préférence pour télémètre quand même. Dans la colonne du milieu, il est important d'avoir les balistiques canon à rayures, ou canon renforcé, donc à chaque fois je dis ou parce que c'est vraiment l'une des deux ou l'une des trois pour la première colonne. Dans la dernière colonne, on peut choisir outsider, bonus de performance ou remplissage. Je vous mettrai la description de tous ces perks dans la description pour plus de facilité et de simplicité. Je tiens quand même à vous rappeler que si vous n'avez pas les bonnes balistiques que je vous ai indiquées précédemment sur vos fusils à pompe, préférez toujours celles qui maximiseront votre portée et votre impact. C'est vraiment le plus important sur un fusil à pompe. So the next question is, avec quelle doctrine jouer au fusil à pompe? Bah oui, parce qu'on peut jouer au fusil à pompe avec n'importe quelle doctrine, ça je suis d'accord avec vous. Mais il y en a quand même certaines à privilégier. Par exemple, prenons le cas du chasseur ronde de nuit. Donc avec le chasseur ronde de nuit, personnellement j'utilise les jambes exotiques ossement DAO, ainsi que contrôle amélioré et évidemment le pas de l'ombre, qui est la base de cette doctrine. Cette configuration va vous permettre d'être très mobile, autant pour passer à l'attaque que pour se replier si besoin. Avec cette configuration, je vous conseille de choisir un fusil à pompe de la première famille, c'est-à-dire qui possède un gros impact et une grosse portée qui a pour objectif de one-shotter. Passons tout de suite à l'arcaniste Méléchité, Rite de l'Orage, pardon. Cette doctrine va vous permettre de jouer plus facilement avec un fusil à pompe de deuxième famille grâce à sa mêlée. Et oui, si dans votre doctrine vous avez bien sélectionné amplitude sur votre attaque de mêlée, il vous est maintenant possible de mettre des attaques de mêlée à une distance de plus de 14,5 km. Plus sérieusement, avec cette attaque de mêlée, ainsi que les griffes d'Amkara qui vous permettent d'avoir deux charges de mêlée, et tout cela cumulé à 5 paliers de force, vous récupérez votre mêlée déjà en 25 secondes, et vous pouvez vous permettre de ne pas one-shotter un ennemi et de le finir à l'attaque de mêlée quasiment à chaque coup. Donc le fusil à pompe qui manque de portée et d'impact peut être compensé par l'attaque de mêlée. Le titan assaillant, le titan assaillant. Oui, c'est bon, on y vient les enfants. Ah, le titan assaillant et sa charge inflexible qui va vous permettre d'absorber la quasi-totalité d'un tir de fusil à pompe ou de sniper. Utilisée à bon escient, la charge inflexible située dans la dernière colonne de la doctrine va vous donner la possibilité de courir et d'avoir un bouclier protecteur devant vous. Ce qui, avec un fusil à pompe, est un gros avantage il me semble, sauf erreur de ma part. Vous pouvez même passer sur la plus grosse ligne de snipe de la carte. Ce n'est pas un problème pour votre boubou. Il arrête tous les headshots, tout ce que vous pouvez vous prendre, il le stoppe. Et oui, il est vraiment fantastique notre bouclier. Gardien à terre.
Continuons donc notre lancée titanesque. En effet, il est à présent temps de parler d'une doctrine assez peu utilisée en PvP. Il s'agit du titan défenseur, ou plus généralement appelé titan bulle. Ouais, parce qu'on est tous d'accord là-dessus, titan bulle c'est vachement plus stylé que titan défenseur. Pour cette doctrine, je vais vous inviter à aller voir la vidéo bulle de PvP titan défenseur. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Et de vous intéresser à la bulle de Magneto. Celle-ci résumant parfaitement l'utilisation du fusil à pompe avec cette doctrine. Alors maintenant que nos doctrines sont prêtes et nos fusils à pompe aussi, on va se poser la question de comment jouer correctement au fusil à pompe. Tout d'abord, comme vous le savez, le fusil à pompe c'est une arme de courte portée. C'est pourquoi en arme principale, vous devez avoir une arme qui couvre la longue portée et la moyenne portée. Comme par exemple la scie du faucon, la mida ou encore le finisterrae. Cependant, avec cette dernière combinaison, donc finisterrae et fusil à pompe, il est assez difficile de couvrir la moyenne portée. C'est pourquoi il est indispensable de savoir maîtriser le finisterrae ainsi que le fusil à pompe. L'un des facteurs clés au fusil à pompe est l'anticipation. En effet, si vous arrivez à situer votre ennemi par rapport à votre position, cela vous permettra de passer plus rapidement à l'action et de tuer votre ennemi avant que lui vous réduise en bouve à ver de terre. Voilà pourquoi il est important de jeter un coup d'œil à son radar régulièrement. Je ne cesse de le dire, mais le radar c'est très important. Il ne faut pas le regarder H24, mais vraiment y jeter un coup d'œil très régulièrement. Nous allons maintenant nous poser la question de comment rusher efficacement un ennemi au fusil à pompe. Alors il y a deux solutions, par la terre ou par les airs. Donc, par la terre, en faisant une glissade et en situant votre viseur sur l'ennemi à la fin de celle-ci. Un ajustement peut parfois être nécessaire pour que votre viseur soit correctement situé sur l'ennemi. Et par les airs, en sautant, puis en tombant sur votre ennemi. Notez que en l'air, votre précision peut être dégradée. Notez que si il vous est impossible de rusher l'ennemi car il a pris cette même initiative avant vous, il est toujours possible de se défendre en sautant au-dessus d'une porte par exemple, comme je vous le montre sur la vidéo. Ah, et deux derniers petits conseils. Si vous donnez un coup de fusil à pompe, pensez toujours à enchaîner avec une attaque de mêlée, même si elle n'est pas chargée. Celle-ci vous évitera de laisser un point de vie à votre adversaire, comme cela arrive si souvent. Et dernière petite chose, jouez à la principale, nom de Dieu. Rien ne sert de se balader avec son fusil à pompe H24, cela ne fera que vous handicaper. Allez, il en est maintenant fini du fusil à pompe, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et on se capte à l'épreuve. Ciao.